Bonjour et bienvenue à Beyrouth, sur fond de révolution arabe qui à la fois nous enthousiasme mais nous inquiète vu d'Occident. Nous avons choisi ce mois-ci dans Hors les Murs de nous rendre au Proche-Orient à la découverte des écoles catholiques du Liban. Le Liban, regardez sur cette carte, c'est ce petit pays coincé entre au sud Israël et au nord et à l'est la Syrie dont on parle tant ces dernières semaines. Situation géopolitique bien sûr explosive. 4 millions d'habitants seulement pour 19 communautés religieuses reconnues. Des chrétiens, des musulmans chiites et sunnites ainsi que des druzes répartis, vous le voyez, sur l'ensemble du territoire. Alors officiellement, il y a à peu près autant de chrétiens que de musulmans. Pour éviter de mettre le feu aux poudres, aucun recensement n'a été fait depuis 1932. Mais depuis la guerre civile, dans les années 70, la proportion de chrétiens aurait largement diminué, comme on l'entend souvent dire ici. Alors que le régime politique libanais, lui, repose sur ce fragile équilibre confessionnel. Et c'est dans ce contexte sulfureux que depuis des siècles, des religieuses et religieux catholiques sont missionnés pour piloter de nombreuses écoles dans tout le pays. Aujourd'hui, 35% des élèves libanais sont scolarisés dans l'enseignement catholique. C'est l'une des locomotives du Liban d'aujourd'hui. Formidable laboratoire du vivre ensemble. C'est ce qu'on va découvrir dans cette émission. C'est parti pour 52 minutes. On est en train de quitter Beyrouth, direction le nord, dans une zone chrétienne à majorité maronite. On va aller à Antoura, qui abrite le plus grand et le plus ancien collège du Liban. Alors quand on dit collège au Liban, entendez à l'ancienne l'établissement qui va de la maternelle au lycée. On va aller dans ce collège Saint-Joseph, tenu aujourd'hui par les lazaristes, qui forment les élites du pays depuis des générations découvertes. Voilà pour arriver ici au collège, on est passé par une ville, Antoura, ville qui s'est construite autour du collège Saint-Joseph, c'est dire l'importance de l'établissement dans la région. Aujourd'hui, ce collège lazariste, ce collège Saint-Joseph, c'est près de 4000 élèves, 350 professeurs, 600 salariés, notamment les chauffeurs de car qui emmènent les élèves ici tous les matins. Et puis c'est également un budget annuel de 11 millions de dollars. Alors qui sont ces élèves? Eh bien, on a passé une journée avec eux en classe. Reportage Sybille Delettre. Chaque matin, c'est un drôle de ballet qui se danse dans les couloirs du collège Antoura. Il est 7h30. Avant les cours, les élèves viennent confier leur journée à la Vierge. D'autres assistent à la messe. Le collège Antoura, c'est le fleuron de l'école catholique au Liban. 4000 élèves, tous francophones, qui étudient ici de la maternelle à la terminale. Et pour tous, un double cursus, libanais et français. C'est pratiquement le plus ancien collège francophone du Moyen-Orient. Bon, il a ses traditions, il a sa renommée d'un très bon niveau, pour ne pas dire d'un excellent niveau. Et ce qui caractérise un peu notre établissement, c'est qu'on a toujours parlé d'une atmosphère de famille, réellement. Finalement, les valeurs humaines, la liberté d'expression, toujours dans le respect mutuel, l'acceptation de l'autre. Ici, tous les cours sont dispensés en français. Ce matin, pour les quatrièmes, c'est cours d'histoire. On est bien soigné grâce au progrès en médecine, on est bien propre, donc l'espérance de vie s'allonge. C'est un mélange de deux programmes, le programme libanais propre au Liban et le programme français, mais avec beaucoup d'adaptation au contexte local. Et par adaptation, ici on entend silence. Le programme s'arrête en 1943 avec l'indépendance du pays. Pas un mot sur la guerre civile qui a secoué le Liban pendant 15 ans. En fait, l'État a imposé en quelque sorte une amnésie officielle concernant la guerre. Et les parents
où il perpétue les barrières psychologiques héritées de la guerre, où il perpétue cette amnésie. Donc les élèves ne savent pas comment aborder la question de la guerre, même s'ils ne l'ont pas vécu. Alors, pour pallier à cette amnésie générale, le professeur essaie par des sorties notamment de transmettre quelques clés de compréhension aux élèves. Autre salle de cours, autre ambiance. En cette période de carême, les élèves doivent faire une journée spirituelle avec le Père Tony. À Antoura, la foi fait partie intégrante de la vie. Pour ses collégiens ce matin, le Père Tony anime une causerie autour de la question de la peur. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir vraiment confiance en Jésus ? Du cycle élémentaire jusqu'au complémentaire, il y a 2 heures par semaine de catéchèse. Bon, obligatoire, je ne sais pas si je peux dire obligatoire, mais ça fait partie de leur horaire. Et ensuite, à côté de la catéchèse, on célèbre l'Eucharistie, presque pour chaque classe, 2 fois par mois. Après la causerie, place à la prière et à l'adoration du Saint-Sacrement. C'est en quelque sorte une façon d'être serein avec soi-même et par suite avec les gens qui sont avec nous. Si dans le visage ou la face de chacun, je vois la face de Jésus, je serai mieux, je serai à l'aise avec moi-même et avec les autres. On essaye de les inciter à vraiment vivre ces valeurs, pas seulement au collège, mais chez eux, dans leur société, dans leur environnement. Voilà l'enjeu de l'éducation ici finalement, former des hommes et des femmes qui soient libres, ouverts aux autres et pleinement acteurs de leur propre destin. J'apprends à être un vrai frère et ami pour mes camarades. Là, c'est un peu un berceau, un cocon, on est bien chouchouté, on a notre petit lit très, très sécurisé. Quand on est projeté dans la vie, ce n'est pas évident. Ce n'est pas les mathématiques, les sciences, on peut les apprendre quand on veut, on peut ouvrir Internet, on peut chercher un prof. Mais les valeurs, c'est quelque chose qu'on a depuis qu'on est enfant, depuis notre enfance. Si on ne les a pas, on ne peut pas continuer dans la vie. Il y a un savoir-faire, un savoir-vivre. Mais cette éducation d'exception a un coût. Même si une partie des élèves est aidée, Antoura accueille globalement une jeunesse dorée et privilégiée. Voilà, maintenant on va décrypter ce qu'on a vu dans ce reportage avec le père Antoine Nakade, qui est le supérieur de ce collège Saint-Joseph. Père Antoine, bonjour. Merci de nous recevoir dans ce très bel établissement. D'abord, une première réaction sur ce qu'on a vu. Ça ressemble un peu à une petite entreprise, ce que vous avez là. C'en est une, parce que quand vous avez 4000 élèves, 356 enseignants, 300 employés, bon, ça fait quand même une grosse entreprise. Et vous payez des impôts ? Nous payons des impôts comme une entreprise. Et nous n'avons absolument aucune subvention de qui que ce soit. Donc les écoles privées, en l'occurrence, ne sont pas subventionnées au Liban ? Aucune subvention. Comment ça marche, le financement ? En principe, ce sont les parents qui financent la scolarité. Mais aussi les communautés religieuses qui mettent du leur. Parce que la scolarité, dans une école comme ici, ça peut revenir cher. Donc il faut que nous, communautés, nous fassions aussi un effort. Que nous trouvions le moyen pour aider certains élèves. C'est-à-dire sur les 4 000 élèves que nous avons, il y a 1 000 000 qui sont aidés. Combien coûte une année de scolarité ici ? Ici, il faut compter autour de 3 000 $. Donc ça fait combien ? 2 500 € par an. Donc tout le monde n'est pas capable de payer ça. Ça fait très cher dans le niveau de vie libanais. Ça fait trop cher. Donc il y a des élèves qui payent la totalité des 3 000 $, d'autres qui payent moins. Mais ça, c'est nous seuls qui savons, qui pouvons juger, parce que nous avons quand même un travail social auprès des familles. Nous connaissons les familles, nous savons à qui nous pouvons assurer une certaine aide, des bourses scolaires. Selon quels critères ? C'est d'abord, il faut que l'enfant, soit d'un milieu, disons, social, modeste, qu'il soit bon en classe, c'est tout. Et vous arrivez de devoir refuser des élèves parce qu'ils ne peuvent pas payer ou parce qu'il y a trop de demandes ? Non, on refuse parce qu'il y a trop de demandes. D'accord. Jamais parce qu'ils ne peuvent pas payer, jamais. Alors, on l'a vu, on est dans un environnement privilégié. Tous les collèges privés ne ressemblent pas à ça au Liban. Non, malheureusement, non. Non, non. Il y a des écoles, par exemple, je vois un peu certaines écoles des filles de la charité, nos sœurs, qui n'ont vraiment pas du tout de moyens. Et nous sommes obligés de nous entraider pour que ces élèves d'autres écoles puissent avoir quand même un minimum.
Ça, nous y tenons, c'est notre mission. Oui, ça, c'est important. Hein, pour... C'est très important. Parce que, vous savez, une école, on peut créer une école. Mais l'école a besoin d'une âme. Et nous, si nous sommes ici, c'est parce que nous croyons en cette mission. Si on veut vraiment porter l'être humain à évoluer, si on veut vraiment porter l'être humain à vivre sa dignité d'être humain, d'enfant de Dieu, il faut que ça passe par l'enseignement. C'est notre mission. C'est à partir de cette foi, de cette conviction que nous avons créé ces écoles. Est-ce que l'enseignement public, est-ce qu'il est de bonne qualité au Liban? Malheureusement, non. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Il revient très très cher à l'État. Mais c'est un peu à l'abandon. Dans le reportage, on a vu aussi une vie de prière assez spontanée et naturelle hein, dans les couloirs du collège. C'est assez frappant hein, quand on vient de France. On n'a pas l'habitude de voir ça, même dans nos écoles catholiques. Comment vous définissez ce qui se passe d'un point de vue spirituel ici, chez les élèves? D'abord, nous vivons dans un milieu encore assez religieux. Nos élèves viennent de familles, disons, plutôt encore pratiquantes et religieuses. Et puis, vous savez, il y a une ambiance aussi dans le collège. Il y a l'enseignement religieux, il y a la présence des prêtres, il y a ce que nous donnons comme valeur chrétienne. Tout ça, ça porte l'enfant à entrer d'une manière spontanée dans cette vie religieuse, dans cette vie de pratique religieuse. Et nous avons des chapelles à travers le collège, parce que le collège est quand même immense, vous l'avez remarqué. Il y a plusieurs chapelles dans le collège. Donc l'enfant n'a pas besoin de se déplacer dans un endroit précis. Il a plusieurs endroits, plusieurs chapelles où il peut aller prier. Ils ont conscience, les élèves ici, d'être des élèves privilégiés par rapport à d'autres élèves libanais? En fait, ils se rendent compte quand ils sont en visite dans d'autres écoles. Ou bien quand ils se retrouvent à l'université. Oui, mais à part ça, non. Non, c'est normal, c'est l'école qui est là, c'est l'école que les parents ont choisie. Et souvent, ce sont des enfants dont les parents et les grands-parents étaient élèves ici déjà. Donc il y a une espèce de tradition qui se perpétue dans les familles. Mais une fois sorti, ou bien une fois en comparaison avec d'autres écoles, ils se rendent compte que quand même, on n'est pas né pour tout. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, maintenant, de votre côté, de former les élites de demain, ici, dans ce collège Saint-Joseph à Antoura? Élite intellectuelle, oui. Maintenant, certains d'entre eux seront parmi les élites publiques, politiques, économiques, etc., etc. Mais pour nous, l'essentiel, c'est d'abord donner ce qui nous semble être le meilleur sur le plan éducationnel et religieux, bien entendu. Il y a des grands noms, hein, il y a des grandes familles au Liban, des grands noms qui sont passés par là. Oui, sur le plan économique, sur le plan religieux, sur le plan politique, oui, il y a eu trois présidents de la République qui sont passés par là, des dizaines de ministres, des dizaines de députés, oui. Parce que ce n'est pas une garantie absolue d'avoir des élites ensuite honnêtes et droits dans leurs bottes. C'est que pendant la guerre du Liban, malheureusement, il y avait de nos élèves qui étaient responsables de deux milices opposées. Qu'est-ce qui fait l'attrait de ces familles-là et puis de l'ensemble des familles qui confient leurs enfants aux soins de ce collège Saint-Joseph? Qu'est-ce qui fait le succès de cet établissement? Il y a la tradition. C'est quand même l'école, la première école française créée en Orient en 1834. Donc les premières élites sont sorties d'ici. La langue française est sortie d'ici pour le Liban. Donc il y a la tradition, il y a la culture, il y a la présence des prêtres. C'est très important aussi, la présence religieuse. Et il y a bien sûr aussi les réussites au bac, ça va de soi. Après le bac d'ailleurs, que font les élèves? Malheureusement, beaucoup de nos élèves s'en vont à l'étranger. Parce qu'il n'y a pas de débouché ici. Nous avons des enfants qui sortent de l'université, qui sont surdiplômés, mais ils n'ont absolument aucun travail. Ils vont se retrouver dans les pays arabes, ils vont se retrouver au Canada, beaucoup vont au Canada, parce qu'il y a une espèce de demande de la part du Canada. D'autres vont se retrouver aux États-Unis d'Amérique ou en France ou ailleurs. Malheureusement, la plupart de nos élèves vont à l'étranger après les études de lycée. Comment vous vivez ça? Parce que c'est une contradiction finalement de former des élèves à un enseignement de qualité, à tout point de vue, humain, scolaire, pour la suite, pour leur vie, pour le Liban, et de voir ces cerveaux partir à l'étranger. Oui. Pour nous, c'est une déception, pour nous, c'est même une souffrance. Bon, l'enfant est chez moi, je dois l'aider à devenir un adulte digne de ce nom. Mais ensuite, une fois dans la vie, parfois nous essayons de faire des recherches pour trouver du travail pour certains de nos jeunes. Mais nous sommes tellement limités dans un pays, tellement limités que nous sommes parfois vraiment révoltés devant ce que nous voyons. Et je vois les enfants, les jeunes gens partir, et partir, et partir, et partir. Alors que notre but à nous, c'est qu'ils restent là, qu'ils forment eux-mêmes d'autres familles, etc. Mais il faut leur donner à manger. Je n'ai pas les moyens de créer des emplois de qualité pour des gens qui sont surdiplômés.
Père Antoine, on se retrouve avec vous. On est ici au rez-de-chaussée du collège, car il faut bien comprendre que ce collège a façonné et a véritablement fait l'histoire du Liban, l'histoire nationale du Liban, une histoire culturelle, une histoire politique, une histoire cultuelle également. Et tout a commencé ici, à l'époque où le collège n'était pas encore un collège. Qu'est-ce que c'était ici, Père Antoine ? En fait, ça, c'était au départ la mission des Jésuites, 1656. Les Jésuites sont arrivés, ils sont restés là de 1656 à 1780. En 1780, à la demande du roi de France et du Saint-Siège, nous sommes venus les remplacer. Donc, les Lazaristes, donc. Les Lazaristes sont venus les remplacer. Donc ça, c'était la fondation de la mission des Jésuites. Donc quand nous sommes arrivés, nous avons repris cette mission, nous avons vécu ici, et puis ensuite nous nous sommes agrandis pour, en 1834, créer le collège. Mais tout a commencé par une mission. Et bon, on va continuer à visiter ces lieux, ces magnifiques caves et voûtes. On y va. On va passer aux voûtes Francis Leroy. Père Antoine, le collège a donc été fondé il y a un peu plus de 175 ans maintenant. En quoi a-t-il façonné et fait cette histoire du Liban moderne ? Il faudrait qu'au départ, il n'y avait pas d'école ouverte aux laïcs. Donc ça a été la première école ouverte aux laïcs. Bien sûr, il y avait les séminaires pour les prêtres. Donc, école ouverte aux laïcs, école francophone. La première d'Orient. D'Orient. Donc, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que le français est entré au Liban par ce collège. Et il est parti d'ici. Donc si on parle français aujourd'hui au Liban, si le Liban est une terre francophone, c'est parce qu'il y a ce collège. C'est parce qu'il y a eu ce collège au départ, et ensuite il y a eu aussi les écoles des filles de la charité. Mais surtout aussi, il y avait aussi cette ouverture aux valeurs religieuses, aux valeurs chrétiennes, et aux valeurs même démocratiques. Et puis entre 1920 et 1940, il y a ce qu'on appelle le mandat français, une période assez courte dans l'histoire du Liban. Quel est le lien dans l'histoire entre ce collège et la France ? Jusque dans les années 40, le supérieur du collège était un peu le représentant de la France au Liban. Il y avait l'ambassadeur, il y avait le consul, mais quand il y avait des Français de marque de passage, c'était là qu'ils devaient venir. Les écoles chrétiennes, elles ont un lien très fort au Liban avec la France encore aujourd'hui, du coup. Nous avons besoin de soutien culturel. Ils ont besoin aussi de notre présence. Sans nous, la langue française disparaîtrait déjà. On sait comment la langue française s'est réduite de ces dernières années à cause de la présence très forte et politique et culturelle et même religieuse anglophone. Pourquoi les chrétiens tiennent tant aux Français ? Parce qu'il y a la langue, il y a la langue qui est belle, mais qui véhicule des valeurs. Donc ce sont les valeurs qui nous intéressent. Et c'est une langue qui nous a véhiculé ces valeurs. Si j'ai appris certaines valeurs, c'est par la langue française. Et je tiens à ces valeurs. Quand voulez-vous que je rejette ce qui m'a apporté ces valeurs ? Comme moi, je tiens à ces valeurs. C'est une des raisons. Est-ce que c'est une manière de se démarquer de l'islam de la région ? C'était le cas il y a encore une trentaine d'années. Ce n'est plus le cas actuellement. Parce qu'actuellement, vous avez beaucoup d'écoles catholiques qui sont anglophones et beaucoup d'écoles musulmanes qui sont francophones. Vous-même, vous êtes un ancien élève du collège. Vous y étiez dans les années 70 ? C'est ça, oui. Ça veut dire que vous y étiez pendant la guerre civile qui a sévi jusqu'au début des années 90 au Liban. Quels souvenirs vous gardez de cette époque ? D'abord, avant la guerre, il faut dire qu'il y avait beaucoup de non-chrétiens qui étaient avec nous. Nous étions 500 pensionnaires, il y avait beaucoup de non-chrétiens et beaucoup d'Arabes qui venaient des pays arabes. Donc il n'y avait pas, si vous voulez, cette différence entre chrétiens et non-chrétiens. On ne sentait pas cette différence. Ensuite, il y a eu la guerre qui a tout saccagé, il y a eu la séparation. Et ici, nous avons vécu la guerre comme une souffrance, comme une déchirure, comme la fin d'un Liban. Bon, c'est vrai que ce collège a servi de lieu d'accueil depuis son existence, depuis sa fondation. On a accueilli beaucoup de sinistrés durant la guerre, mais pour nous, c'était la fin d'un rêve, la fin d'un idéal, la fin d'un Liban. Et maintenant, il faut recréer un nouveau Liban, un Liban de coexistence. C'est dur à remettre sur les rails, mais je garde espoir. Merci, Père Antoine. Merci. À partir de 1975, le Liban a connu une terrible guerre civile qui a duré une quinzaine d'années, qui a opposé chrétiens et musulmans, mais également chrétiens entre eux. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des influences extérieures importantes, l'influence des Israéliens, l'influence des Syriens, mais aussi des Palestiniens qui ont profondément déstabilisé le Liban.
Ici, nous sommes sur la rue de Damas, ancienne ligne de démarcation entre Beyrouth Est, côté chrétien, et Beyrouth Ouest, côté musulman. C'est aussi le quartier de l'université catholique Saint-Joseph, université qui a fait de la réconciliation, du dialogue et de la paix une spécialité. Nous voilà maintenant dans le cœur historique de cette université Saint-Joseph de Beyrouth. On est dans le bureau de l'ancien chancelier de cette université avec le doyen de la faculté des sciences religieuses, ici le père Salim Dakash. Bonjour, merci d'être avec nous, de nous recevoir ici. Alors, on l'a vu tout à l'heure en arrivant, ici, il y a encore 20 ans, c'était un immense no man's land. C'était la désolation. C'était une région de guerre. On a voulu reconstruire et développer cette région. On a acheté des terrains supplémentaires afin réellement de donner à l'université une place prépondérante dans cette région. Quelle proportion de chrétiens, quelle proportion de musulmans parmi les étudiants ? Nous sommes aujourd'hui à 12 000 étudiants. Grosso modo, 70%, 30%. 30% de musulmans. Actuellement, disons, la ligne de séparation ou de démarcation entre les étudiants, elle est plus politique que confessionnelle. Mais en fait, il y a aussi des tiraillements, il y a des différences qui sont là, qui sont vécues sur le quotidien. Et nous essayons ici à l'université de répondre à cette situation-là. C'est un défi pour nous. Et nous avons à accueillir d'autres étudiants, d'autres confessions, d'autres religions. Mais jusqu'à quel point on peut accueillir une autre religion, et l'islam en l'occurrence ? Parce que est-ce qu'ils demandent de pratiquer, par exemple, leur religion au sein de l'université ? Tout à fait. Il y a la question, par exemple, du lieu de culte. Ceux qui désirent, on essaie de leur débrouiller des lieux pour qu'ils fassent leurs prières, les personnes. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas des lieux pour les musulmans. Vous voyez ? Nous préférons ne pas aller actuellement dans le sens d'octroi de... Parce que si vous donnez à quelqu'un, vous devez donner à d'autres. Est-ce qu'il y a des tentatives de manipulation, justement, des confessions et des religions ? Assurément, mais là, nous, disons, au niveau de notre université, quand même, il y a un axe stratégique sur lequel nous travaillons et depuis longtemps, c'est d'être des promoteurs du dialogue islamo-chrétien, afin de dépasser ces tiraillements, cette tension, etc. C'est pourquoi nous avons depuis 35 ans un institut qui s'appelle l'Institut des études islamo-chrétiennes. Avec un master islamo-chrétien. Islamo-chrétien, et qui a été fondé et par un chrétien et par un musulman. Et est-ce que cette formation porte ses fruits concrètement ? Parce que ici, vous formez une partie de l'élite du pays, hein, c'est l'une des deux grandes universités, avec l'université américaine du Liban. Et est-ce que finalement, les élites que vous formez, elles travaillent après au service de la paix et du dialogue et de la réconciliation ? Est-ce que vous arrivez à mesurer ça ? Quand on regarde d'autres pays, et à comparer ces pays avec ce qui se passe au Liban, on voit bien que le modèle du dialogue libanais, islamo-chrétien, est quelque chose de pertinent. Vous pensez à quel pays, par exemple ? En Occident, actuellement, il y a pas mal de problèmes, de tensions. Autour de nous aussi, en Égypte. Ou d'autres pays au Proche-Orient, et il n'y a pas cette tradition. Nous avons fait du dialogue islamo-chrétien une école. Ça, c'est une barrière pour vous, au fondamentalisme, notamment musulman ? Avec les salafistes, avec les fondamentalistes, il y a possibilité de dialogue. Je pense. Et on le fait. Ce n'est pas quelque chose qui est loin de... Avec les frères musulmans, nous avons une expérience de ce dialogue. Parfois, ça aboutit, parfois, ça n'aboutit pas. Avec les purs et durs, oui, il y a un problème. Et il faudra quand même, disons, aller plus loin pour le régler. Mais nous arrivons réellement à entrer en dialogue et à construire quelque chose, une relation raisonnée entre nous. Et au Liban, on le fait. Je vais aller encore un peu plus loin, je me fais l'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'y a pas le danger de former des gens ici, dans une université chrétienne, qui œuvreront plus tard contre les intérêts des chrétiens et contre l'intérêt du Liban et du dialogue et de la paix ? Je pense qu'il y a toujours cette possibilité.
Je ne veux pas, disons, l'exclure. On a l'expérience. Il y a eu, disons, parmi ceux qui ont attaqué les deux tours à New York, des anciens des écoles catholiques ici. Ça, c'est clair. Mais c'est un défi. L'éducation est un défi de tous les jours. C'est ça notre but dans notre université, aider chacun à vivre ses convictions les plus profondes, à ne pas les exclure, à ne pas les rejeter, mais à un niveau d'humanité, c'est-à-dire de lien avec l'autre, de dialogue, de langage mutuel avec l'autre. Voilà. Un mot encore sur peut-être l'université américaine, qui est l'une des deux grandes universités au Liban, avec la vôtre, l'université Saint-Joseph. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a concurrence entre les deux universités, entre un monde anglophone et un monde francophone? En fait, l'éducation au Liban et l'éducation moderne a commencé, entre les jésuites surtout et les missionnaires protestants. On raconte une anecdote, un missionnaire protestant qui allait fonder une école du côté du sud du pays en 1890. Et on lui pose la question, mais qu'est-ce que vous allez faire dans... Alors la réponse a été, je vais aller fonder deux écoles. Il a dit, mais pourquoi deux écoles, commencer par une? Il a dit, non, les jésuites vont me suivre et fonder une autre école à côté. C'est pour dire que, cette présence missionnaire a été quelque chose de positif, de fondamentalement positif pour le pays. Merci Père Dacache de nous avoir reçus ici. Vous étiez chez vous et vous êtes chez vous. Et revenez. Merci, Kateo. À très bientôt. Alors, on parlait justement de dialogue et du Sud-Liban. Je vous propose de partir dans cette région qui ne ressemble pas à celle qu'on a vue pour l'instant dans l'émission, puisque le Sud-Liban est une zone tenue par le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est cette organisation chiite, proche du régime syrien et du régime iranien. Ils sont armés et souvent décriés. Certains ici parlent d'un État dans l'État. À quelques kilomètres de la frontière israélienne, il y a un petit village, Aïn Ebel, avec une école chrétienne qui accueille 50% de chrétiens et 50% de musulmans. Antoine van der Straten y est allé pour nous. Reportage. Portail luxuriant, série de villas dignes des quartiers huppés d'Occident. Le tout planté dans un décor verdoyant. Ici, en apparence, tout va bien. Difficile de croire qu'il y a encore 6 ans, ce paradis était un champ de bataille, bombardé par l'armée israélienne. Nous sommes au sud Liban, dans le fief du Hezbollah, à quelques kilomètres de la frontière avec Israël. Les guerres successives et le désintérêt des autorités libanaises ont permis à ce groupement armé de s'approprier les pleins pouvoirs sur la région. Toute la région a été touchée par la guerre, beaucoup de démolitions. Et c'est les pays arabes qui ont pris à leur charge, Qatar surtout, qui a beaucoup aidé pour la reconstruction de plusieurs villages au sud. L'Arabie Saoudite avait pris à sa charge de reconstruire, de dédommager les villages chrétiens, mais selon leur dire, ils n'ont reçu aucun sou. De l'argent disparu, les quelques villages chrétiens témoignent de conditions de vie plus difficiles. Aïn Ebel, ce village abrite l'école des Sœurs de Saint-Cœur. Les chrétiens ont un attachement tout particulier à la région. Jésus lui-même serait passé par ici. On est content de témoigner de la présence de Jésus-Christ dans cette région. Il est de là, il a passé par là pour aller à Tyr et à Sidon. Il y a 10 ans, c'était délabré, en état vraiment des plus défectueux. Et nous avons essayé, avec l'aide de la congrégation, de retaper les classes pour qu'elles soient dignes d'accueillir nos enfants et qu'ils soient vraiment à l'aise. Et les enfants peuvent aller jusqu'au bac avec nous, jusqu'à la terminale. La clé pour la salle du robot. Le travail est tout fait par les élèves, ce sont eux qui ont créé le robot, ce sont eux qui ont fait la programmation, il y a une programmation, c'est assisté par ordinateur. Nous avons participé à la compétition au niveau du Liban et on a eu le 2e prix, notre école ici. Et maintenant nous représentons le Liban pour la compétition arabe. Une école d'excellence, 50% d'élèves chrétiens, 50% d'élèves musulmans. L'école se veut ouverte à tous sans distinction. Elle a fait du respect entre communautés sa priorité éducative. Je
et j'ai été dans la même école. Et je l'aime depuis que je suis petite. Et j'ai bien confiance en eux. Donc c'est pour ça. Je sens, il n'y a pas de différence, Aslan. Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. On n'a pas de... J'ai jamais su, moi, c'est quoi chrétien et musulman. La même chose. Nous sommes nous tous des frères, des sœurs. Il n'y a pas de différence entre nous. Pourtant, de retour au village chrétien, pour cette mère catholique, la réalité semble plus nuancée. Ma fille se bat. Sahbé. Non, ma fille, pas, il n'y a pas d'amitié. Il y a les bonnes relations. Elle dit que actuellement on est bien, on vit bien, mais s'ils vont retourner contre nous, personne ne peut prévenir ou prévoir. Mais jusqu'à présent, rien ne dit qu'ils vont se mettre contre nous. Mais il y a quand même une peur qu'ils se mettent contre vous. Il y a cette appréhension. Les gens appréhendent Hezbollah. Comme quoi, parce qu'il est armé. Mmh. Et les chrétiens ne le sont pas, donc c'est ça là. Ici, le Hezbollah est tout puissant. C'est lui qui gère la région, où même l'armée libanaise est quasi absente. Force armée, symbole de la résistance contre Israël, force politique aussi. Depuis les élections de 2005, il compte 14 sièges sur 128 au Parlement libanais. Une toute puissance qui inquiète. Un habitant de Ain Ebel vient nous parler, mais refuse de témoigner devant la caméra. Si on peut éviter n'importe quelle question à propos de Hezbollah, donc je préfère ça. Pour moi, c'est un peu... la situation ici dans la région, c'est pas simple. Vraiment, nous sommes ensemble et on va rester ensemble et on aime rester ensemble, mais il faut se respecter. Dans l'école, nous sommes ensemble et par suite... Nous se trouvons séparés. Chacun parle par sa politique, par sa communauté, par je ne sais pas comment. À l'université, on trouve les élèves écartés. Dans les collèges, on trouve les écoles ensemble, les élèves ensemble. Et dans les universités, il y a les problèmes, il y a les conflits. Les chrétiens de la région dépendent pour tout de leur entente avec le Hezbollah. Quand elle va à l'hôpital chez Hezbollah et elle n'a pas d'argent pour payer, on paye à sa place. Oui. Hezbollah lui paye l'hôpital. Même pour ses enfants. Retour à l'école. Dans le cadre d'un cours de poésie, les élèves de terminale abordent leurs craintes, leurs espoirs. Je présente un rap racontant les problèmes du Liban, proposant quelques solutions, demandant quelques corrections. Devant ces yeux d'enfants qui ont froid, qui ont faim, dites-vous que l'argent vous brûlera les mains. Devant ce président qui dirige le monde, qui joue au cerf-volant avec toutes leurs bombes. C'est quoi un chrétien? C'est quoi un musulman? C'est quoi un chéri? C'est quoi un durci? Pas de différence, pas de distinction. Tous ont une même définition. C'est quoi un citoyen du Liban? Voilà pour ce très beau reportage signé Antoine van der Straten. Retour à Beyrouth avec sœur Daniela. Bonjour ma sœur. Bonjour David. Vous êtes la supérieure de cette congrégation des 5 heures qui s'occupe de cette école qu'on a vue dans le sud. Et puis vous êtes également, ça c'est important, la représentante des religieuses pour tout le Proche-Orient. Alors en voyant ce reportage, ici on est au siège de votre congrégation à Beyrouth. En voyant ce reportage, vous me disiez tout à l'heure que vous étiez des résistants. Nous sommes des résistants, c'est ce que vous me disiez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce thème de résistants ? Dans notre petit entretien, je vous ai dit, nous avons un destin tragique. Nous sommes limités au sud par Israël et au nord par la Syrie. Est-ce un destin ou c'est la logique de Dieu, la providence? Le bon Dieu veut que nous soyons des résistants, mais qui prônent la fraternité, la liberté et surtout la présence dans un milieu démuni pour faire promouvoir l'homme et tout homme. Face à Israël, nous sommes là pour dire, nous sommes frères, Hezbollah, les chiites, les sunnites, les chrétiens, avec tout le prisme
confessionnelle que nous représentons, les cinq cœurs sont là pour défendre cette entité, cette valeur religieuse que le pape Jean-Paul II a qualifiée un pays message. Vous êtes des fanatiques du dialogue et du message. Nous sommes des fanatiques du dialogue et du message, malgré aussi la Syrie qui est notre sœur et qui est jalouse de notre système démocratique, qui nous a occupés pendant 15, 20 ans, mais maintenant nous compatissons à son sort. Ce que nous lui souhaitons, c'est de se libérer et de rentrer en dialogue avec tous ses voisins. Nous sommes sur une piste d'éducation où nous élevons les enfants à regarder l'autre comme frère. C'est une présence unique qui illustre notre activité à Ain Ebel, où nous accueillons Hizb Allah, des chiites et des chrétiens de toute catégorie, de tout rite. Et le message que vous délivrez à ces enfants musulmans n'est pas détourné ensuite par d'autres, manipulé par d'autres, ensuite quand ils rentrent chez eux par des membres du Hezbollah, c'est un exemple, hein, mais est-ce que ça, ce n'est pas une réalité aussi et un risque ? Nous, ce que nous ressentons, c'est que les enfants sont réceptifs et aussi les parents viennent chez nous librement et ils apprécient nos prestations éducatives qui ne vont pas à l'encontre de leurs attentes. Ça, c'est très important pour nous. Ils viennent pour inscrire librement leurs enfants. Ils connaissent notre charte éducative. Ils participent au débat. Mais nous ne leur imposons pas notre religion. Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir ces enfants un jour prendre des armes pour les utiliser contre les chrétiens plus tard ? Ils en ont pris. Ils ont essayé. Ils ont trouvé que nous étions là pour eux, pour que réellement nous puissions continuer notre vocation de faire promouvoir l'homme et tout homme, même si cet homme a été un adversaire, un ennemi qui a été en proie à la haine et qui a été manipulé par mille et une manigances. Mais nous avons bravé toutes ces difficultés. Nous avons résisté en 2006 et maintenant nous avons une prédominance des élèves de Hizb Allah et des chiites, beaucoup plus nombreux que les chrétiens qui fréquentent. Parce que les chrétiens ont été assaillis, ils ont été obligés de se déplacer, de venir dans la capitale ou dans des banlieues de Beyrouth parce qu'ils voulaient avoir la paix. Quand on a peur, on fuit. Les sœurs n'ont pas fui David. Elles ont résisté et nous y sommes et nous continuons notre combat pour que réellement ce pays revête toute la splendeur du dialogue, de l'amitié, dans la liberté des enfants de Dieu. Et est-ce que vous pouvez parler de Dieu ? Est-ce que vous pouvez annoncer la bonne nouvelle complètement librement dans ce contexte-là ? À l'entrée, nous faisons une messe d'entrée. Alors, mais elles sont libres de participer ou non. À Noël, nous préparons Noël, l'incarnation ensemble. Ils ont des activités de charité, mais on ne les amène pas pour la messe de minuit, ni pour le lendemain, pour la félicitation de la Vierge d'avoir donné au monde le Christ qui est le sauveur du monde. Non, on fait ça, passer cela par des actes d'incarnation. Saint Ignace, dont je suis tributaire de sa spiritualité, dit « Faisons la rédemption », mais il a dit « Réalisons l'incarnation ». Nous sommes des gens sauvés. Et on veut sauver l'humanité à partir d'actes d'incarnation. Quand quelqu'un est malade, la supérieure et la directrice vont les visiter. Quand ils ont un deuil, leur joie et leur peine, nous les partageons. Et est-ce que parfois il y a des conversions ? Non. Non. Jusqu'à maintenant, non. Mais il y a quelque chose, David, qui passe. Ils n'ont pas pris les armes, ils n'ont pas agressé les sœurs. Pendant la guerre de 2006, lors des déplacements
1985, j'étais déléguée générale du secteur éducatif. Nous avons accueilli uniformément les déplacés chrétiens et musulmans. Et c'était un laboratoire d'humanisation, de reconnaissance que la guerre est stupide et qu'il fallait vivre sur cette terre en frères et sœurs. Ce qui réussit chez nous, c'est cette attitude de regarder l'homme à l'image de Dieu. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était beau. Marie-Claire Pichot chante ce chant que je retiens depuis 40 ans. Ce qui est beau, c'est que Dieu a voulu créer l'homme à son image, à sa ressemblance, et les grandes puissances défigurent le visage de l'homme. Merci beaucoup, ma sœur, pour ce très beau témoignage. Et puis, si on a souvent en Occident hein, l'image d'Épinal d'un Liban plutôt riche, on l'a vu dans le Sud, hein, et puis vous l'avez dit, ma sœur, c'est loin d'être une généralité. Je vous propose de partir maintenant dans une autre région du Liban, à côté de Jbeil, l'ancienne Byblos, dans les montagnes, découverte d'un collège catholique gratuit pour les plus démunis. On y va avec Sybille Delettre. Nous sommes seulement à une cinquantaine de kilomètres de Beyrouth et pourtant dans un territoire si différent. Une région à très forte majorité chrétienne, mais aussi très pauvre. Ici, en 1969, les sœurs missionnaires du Très-Saint-Sacrement ont fondé une école. Notre mission, c'est d'éduquer aux quatre valeurs surtout. Piété, pureté, travail et culture. Plus de 1000 élèves des environs étudient ici, de la maternelle à la terminale. Des cours dispensés en arabe, mais aussi en français pour toutes les matières scientifiques. La fraction irréductible, c'est 57 sur 20. C'est la méthode quoi ? Des divisions successives. 90 professeurs enseignent ici et les 17 sœurs se relaient pour donner des cours de catéchèse aux enfants. Il est 14h30 et c'est la fin des cours. Alors que la plupart des élèves prennent le bus scolaire pour rentrer chez eux, 80 filles se retrouvent dans le réfectoire pour manger. Voici la particularité de cette école, l'internat. En effet, les sœurs accueillent ici toute la semaine des jeunes filles en difficulté qui ne rentrent chez elles que le week-end. Ce sont des filles orphelines et avec des cas sociaux difficiles dans leur maison. D'un parent malade, parent handicapé, de familles de chômage, familles nombreuses, des parents divorcés, des problèmes dans la famille. La plupart d'entre elles, elles ont un niveau social faible, c'est-à-dire presque dans la pauvreté. Ces filles suivent toute l'école classique, mais dès que les autres élèves sont partis, leur emploi du temps est bien réglé. Études, sport, prières, tout y est. Choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Ici, j'ai beaucoup de amis qui sont comme une famille pour moi. C'est très joli pour les avoir comme amis ici. Quand on est content, tous ensemble, nous sommes contents. Et même quand on est triste, on se partage toutes choses. Même, on passe beaucoup de temps ici à l'école plus qu'à la maison. Ici, les sœurs font en sorte de recréer le cocon familial. Une tâche pas si simple quand on cohabite avec 80 jeunes filles. Et pourtant, ça semble fonctionner. Sœur Charlotte est omniprésente et arrive à construire un lien très fort avec chacune des internes. Pour moi, aimer ces filles-là, c'est ça la recette miracle. Et c'est pas facile d'aimer les filles, d'aimer 80 filles que je connais pas, qui sont vraiment différentes, que c'est pas facile. Elle est une bonne écoutrice et elle fait toujours pour notre bien. Elle est mon amie, elle m'aime bien et moi aussi je l'aime. Mon ami.
Mais les choses ne sont pas non plus si roses. Certaines filles sont à l'internat depuis leur plus tendre enfance. Et quand vient l'adolescence, elles ont parfois du mal à supporter le cadre et l'autorité. Alors, pour épauler les sœurs, une psychologue est aussi à l'écoute de ces jeunes filles. Et les filles, surtout les filles internes, elles ont confiance dans notre bureau. À chaque fois qu'elles ont un problème, elles viennent chez nous et elles nous demandent l'aide. Je les aide à liquider leur problème. Je ne peux pas le résoudre, donc je les aide à le liquider pour pouvoir le dépasser. Pour toutes ces filles ici, l'école, c'est une sorte de cocon qui les accompagne et les aide à grandir. Mais même si la réussite aux examens est brillante, 95% environ, elles devront tout affronter en sortant la vie en société et partager un bagage un petit peu plus lourd que les autres. Ce qui, pour l'instant, ne les empêche pas de rêver. Voilà, on arrive tranquillement à la fin de cette émission. Pour conclure ce hors les murs passionnant au Liban, nous sommes au collège du Sacré-Cœur à Beyrouth avec son directeur, Frère Habib. Bonjour, Frère Habib. Bonjour. Merci de nous recevoir. Je précise que vous êtes un frère des écoles chrétiennes, c'est-à-dire que votre fondateur, c'est Jean-Baptiste de La Salle, grand spécialiste de l'éducation. Hein. Exactement, oui. Alors, on a vu beaucoup de choses dans cette émission. Moi, mon premier sentiment, après avoir vu tous ces reportages, avoir fait toutes ces rencontres, c'est que sans l'enseignement catholique, les mots sont peut-être un peu forts, mais j'ai l'impression que le Liban, ça ne serait pas grand-chose. Est-ce que je me trompe beaucoup ? Non, vous ne trompez pas du tout. Exactement. L'enseignement catholique, c'est lui qui a lancé l'enseignement au Liban. Et en plus, historiquement, quand il y a eu des innovations pédagogiques, c'est l'enseignement catholique qui les a lancées. Alors, on dit que depuis la guerre civile, les chrétiens partent du Liban, que les musulmans aujourd'hui sont plus nombreux. Est-ce que ça veut dire que l'enseignement catholique perd de son influence ? Les chrétiens partent. Le nombre de chrétiens a diminué, soit à cause de l'émigration, soit à cause de la dénatalité. Mais l'enseignement catholique n'a pas... Bon, il a perdu un peu, mais pas tellement. Il a toujours sa force, parce qu'on a toujours... les musulmans, des enfants musulmans qui viennent dans nos écoles catholiques, qui préfèrent venir encore chez nous dans les écoles catholiques pour diverses raisons, dont certaines qui sont quand même... Moi, en parlant avec certains de nos élèves, disent « Nous voulons venir chez vous parce que c'est chez vous qu'on trouve un enseignement et une éducation de qualité et qu'on peut vivre avec des gens d'autres confessions. » Parce que si on va dans les écoles confessionnelles musulmanes, on ne trouvera que des musulmans, dans les écoles sunnites, que des sunnites, dans les écoles chiites, que des chiites, dans les écoles druzes, que des druzes. Il n'y a que chez vous, dans les écoles catholiques, on peut trouver tout le monde, comme dans le Liban. C'est une image du Liban. Au début de l'émission, je parlais d'un laboratoire du vivre ensemble. Oui. On a vu ce qui se passe, il se passe de très belles choses, mais au-delà du symbole, est-ce que ça marche vraiment? Très honnêtement, frère, est-ce que ça fonctionne, ce vivre ensemble, aujourd'hui au Liban, à travers... l'apprentissage dans les écoles catholiques notamment. Dans les écoles, nous essayons de former les élèves à ça. Donc, au vivre ensemble, à la convivialité, à l'acceptation de l'autre. Et en général, ça marche très bien dans les écoles. Sauf quand il y a les politiciens, quand les politiciens s'en mêlent pour monter la tension. Mais alors, ce n'est plus un problème simplement chrétien et musulman. Ça peut être dans certains établissements de la région entièrement chrétienne, entre chrétiens et chrétiens, diverses parties chrétiennes, ou bien entre musulmans et musulmans. Donc c'est un problème, c'est plutôt des tensions politiques, mais ils oublient ça en général après et ils vivent ensemble. On a vu aussi que, bon, c'était pas facile de trouver du travail aussi après l'école. Est-ce qu'il y a assez de travail pour les élèves et étudiants libanais? Et est-ce que finalement on ne forme pas trop d'élite au Liban? Quelqu'un me disait qu'il y avait trop de médecins, trop d'avocats, trop d'ingénieurs. Est-ce que c'est une réalité? C'est une réalité malheureusement. Les élèves, nos élèves qui finissent, qui vont à l'université, la plupart cherchent du travail dans l'immigration. Les ingénieurs vont surtout maintenant du côté du pays du Golfe, en Afrique, en Europe. Une des plaies du Liban. Les élites bien formées s'en vont ailleurs. Il faut dire que le pays est si petit, et tellement peuplé. Vous imaginez, il y a 4 millions d'habitants pour 10 000 km carrés. Donc ça fait 400 km carrés. Bon, ça fait déjà beaucoup quand même, et donc il y a trop. Et tous veulent étudier, veulent avoir de grands postes, et on n'en trouve pas toujours.
Dernière question, on sait que c'est le temps des révolutions arabes, la Syrie à côté, on sait qu'il y a des événements terribles qui se passent actuellement. En ce temps de révolution, quel est le défi de l'enseignement catholique au Liban? Est-ce qu'il y a un défi particulier? Disons, un des défis particuliers, je pourrais le dire, c'est que nous avons déjà, il y a plusieurs années, c'est d'abord former les jeunes à l'autonomie. Donc avoir leurs propres idées, leurs propres jugements et non pas se faire mener par les autres. Donc savoir juger des affaires, donc l'autonomie, la responsabilité, etc. Et le respect de l'autre, c'est le plus important. Mais je ne cache pas que ça peut avoir, pour le moment on n'a pas trouvé, mais ça peut avoir des conséquences sur les jeunes. Parce que quand ils voient que là-bas, le peuple veut changer le régime, le peuple des élèves veut changer telle chose, etc. Mais pour le moment, non, ce n'est pas tellement. Donc, c'est le défi maintenant d'écouter les jeunes, d'écouter leurs appels, ce qu'ils veulent, etc. Et nous essayons d'y répondre le mieux possible. Merci, frère Habib. De rien, merci à vous. Soyez à l'ansala, comme on dit en Liban. Ça veut dire ? Soyez le bienvenu. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. Sachez pour conclure que le 25 mars, le jour de la fête de l'Annonciation, est férié pour tous les Libanais, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou druzes, un beau signe de réconciliation depuis quelques années. Il me reste également à remercier tous ceux qui nous ont aidés à préparer et à réaliser cette émission, et ils sont nombreux ici au Liban. Un grand merci en particulier à Sœur Marcel ainsi qu'à l'œuvre d'Orient en partenariat sur Ce Hors les Murs. A très vite sur KTO.